Hey, bonjour à toutes et à tous, ici Tatsu, bienvenue chers amis pour notre second épisode de Pawn Planet. Et je viens de finir une de ces missions. Un petit peu de pognon. Bon, c'est quand même, ça m'a coûté 18 000 le portail. Et donc, alors parce que je sais pas si la sauvegarde était bonne, parce que je suis revenu du truc, j'ai éteint, mais il n'y avait pas de sauvegarde. Je crois que la sauvegarde est automatique. Et bref, je crois qu'il a fallu que je refasse la journée où je suis parti dans le truc. Bon, bah tant pis, donc j'ai fait une journée et puis bah, je suis parti dans le truc, voilà. Ok, j'ai un petit peu de pognon. Est-ce qu'on a des storage? Pas du tout, pas aujourd'hui. Et puis, bah, on peut même ouvrir. Et j'ai gagné ce truc-là. Normal, c'est pas mal, ça fait 4000 boules. Voilà. Bah écoutez, c'est parti. Alors, le jeu en lui-même, c'est très important parce que on en a fait des simulations sur Tatsu Game Show. C'est même une spécialité maison. Par contre, celui-ci a une vraie recherche très imaginatif. C'est pas le plus grand jeu du monde, certes, mais ça nous fait voyager. Ça nous fait voyager. C'est ça ce que j'aime. Il y a le jeu Pawn Simulator qui a très bien marché sur la chaîne. Donc monsieur veut acheter ce truc-là. Mais en fait, il était nul à chier ce jeu. Il était hyper bugué. Voilà, j'ose dire. En plus, c'est parce que c'était dans un carton. En plus, non seulement il était hyper bugué, mais en plus, voilà, il n'était pas aussi soigné. Quand tu posais un item sur le truc, il dépassait de tous les côtés. Les étiquettes, c'était n'importe quoi. Pour faire le prix, enfin bon, bref. Voilà, c'était pas soigné comme l'est ce jeu. Je ressens, il y a beaucoup d'amour. Vraiment, il y a beaucoup de création dans ce jeu. Et je trouve ça vraiment, vraiment très très sympa. On va faire 1300. Hein. Et même, on se fait pas chier pour les sous. Bon, certains négocient, d'autres négocient beaucoup moins. Mais c'est quand même vachement mieux. On va faire 1100. Quand même vachement plus simple de vendre. Beaucoup, beaucoup moins frustrant aussi. Beaucoup, beaucoup moins frustrant. Voilà, c'est pour ça que ce jeu, moi je pense, c'est un banger. Tout simplement, le jeu est un banger. T'as pas fini, toi. Hein. Le jeu est un... Et en plus, autre chose. Moi, on me l'a envoyé parce que je l'ai demandé aux gens qui font ce jeu. Voilà, j'aime votre jeu, je voudrais le faire sur la chaîne. Le jeu coûte 9,50€ en prix normal. Là, il est soldé à 8€. 8€ le jeu, franchement c'est ridicule, et je trouve vraiment super. Si vous aimez en plus Rick et Morty avec cet aspect un peu extraterrestre, un peu complètement barré, eh ben le jeu est un peu de ça, et je trouve ça vachement cool. Bref, voilà, j'ai dit ce que je pensais du jeu, surtout que tout est très fluide, l'achat, la vente, le fait de faire des négociations, de poser les trucs, d'aller acheter des... Oh, des lockers. Tout est très très fluide. Bon, bref, toi, tu veux une... On fait 1000. 1006. Oh, on fait 1003. Tout est très très fluide. 1004. Ouais, allez, 1004. Je veux même pas ça, je peux le réparer. Voilà, et en plus, on est qu'au début du jeu. Et en plus, les devs nous disent sur que... Qu'en fait, ils vont continuer à travailler dessus et qu'il y a plein de choses qui arrivent. En fait... Il y a des nouveaux skins, il y a des nouvelles améliorations, il y a de nouveaux tout. Oh, bah c'est vrai que j'ai cette console, dis donc. Estimation de payer 200. D'accord. Je te demande de me la payer. Oh non, on va faire 2000, hein. D'accord, il est pas si débile. 1005. Ouais, c'est d'accord. 1002. D'accord. Allez. Bref, c'est une console qu'on a réparée. Mais voilà. Et ce qui m'embête vraiment, c'est que le jeu dont je vous ai parlé tout à l'heure s'appelle Pawn Simulator, qui était buggé à fond. En 3 épisodes, j'ai fait plus de 4000 vues sur la chaîne, ce qui est beaucoup. C'est une petite chaîne, donc ça fait vraiment, vraiment beaucoup pour moi. Voilà, c'est pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et ben, c'est très, très dommage que ce jeu-là, bah, il fera pas autant. Alors qu'il est bien plus sympa. Après, les nombreux bugs de l'autre jeu nous ont quand même permis de faire voilà, des vannes nulles et de bien rigoler et de jeter des gens. C'était drôle. Ah là là, Tatsu, il s'est amusé.
tout ça. Certes, chers amis. Oui, bah c'est pas fini, mec. Ah oui, alors du coup, toi t'es fini, ok. Du coup, toi, tu... il me manque deux silicones. Attends, une tape, deux silicones, un squish. Alors, deux silicones, deux... Non, c'est une tape, une tape. Une tape, un squish, deux silicones, une tape. Ok, normalement c'est ça. J'espère que j'ai... Et merde, j'ai oublié qu'il y a toujours un voleur. J'ai oublié qu'il y a toujours un voleur. Et ben voilà, je m'ai fait niquer de quelque chose, mais je sais pas quoi. Oh putain, ça recommence. Oh non, bon bah il a pas volé le grippin qui coûte cher. Il y avait quelque chose qui coûte cher, bah, je me souviens plus très bien. 50 customers, et bah super. Merci, vous voulez acheter ça? Écoutez, si vous voulez l'acheter, faudra payer 3500. Hein. Et ça marche. Ça marche très très bien, merci monsieur. Hein. Et puis il y a aussi le fait qu'il y ait autant de races d'extraterrestres différentes, je surkiffe. Et que tous les objets soient hyper uniques. Regarde ça, c'est trop cool. C'est une bague, elle est dans une bouche. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, choc cosmique, couleur qui donne l'impression d'une fête sur le doigt. Bah voilà, c'est une fête sur le doigt. Bon, vous en voulez combien? Écoutez, on va dire 900 balles. 1006, eh ben finalement, vous savez combien vous en voulez, monsieur. C'est très traditionnel. Ah, 1003. Allez, ça dégage. Monsieur, bonjour. État mauvais. Oh putain, arrêtez de tout dégueulasser. Arrêtez de tout dégueulasser. Donc voilà, on continue l'aventure. J'espère pouvoir upgrader le magasin en question. Tu veux ce truc-là? Bah ça va te coûter excessivement cher. 4500. Ouais mais non, parce que moi j'en veux 6000. Yay, putain, j'aurais dû dire 6005. Oui mon... Bon. Okay. Ouah, l'œil de Sauron. Qu'est-ce que c'est? C'est un non-œil. Bon bah voilà. Voici puissant Hey. Pepoys. Ah mais on l'a déjà eu, ce, je crois. Littéralement, rouler des yeux du multiverse. Oui, 3000. On l'a déjà eu. Combien on le prend? 3000. Non mais monsieur, il faut... Et alors déjà, quand on a une gueule comme ça, monsieur. Non mais il est fou quand même le truc. Eh, hey, j'adore. J'adore. Bon écoutez, 1005, on peut essayer de négocier, mais faut pas rêver, enfin, faut pas rêver. Bon bah on a fait 4005 aujourd'hui. Ah bon. Qu'est-ce qu'on peut mettre là en dessous? Mais merde, je l'ai pas mis à réparer parce que. Je l'ai pas mis à réparer. Du coup toi. Allez, ça rêve. Vous allez rester là longtemps, monsieur. Alors, est-ce que je peux retourner faire la bagarre? Est-ce que je peux retourner faire la bagarre? Pas du tout. Je peux pas aller acheter des trucs. Je vais faire la bagarre. Donc, ce truc-là, je l'ai mis en place la dernière fois. Bon, apparemment, je peux pas. Bon, ok. Est-ce qu'on a un calendrier pour savoir quand est-ce qu'on peut faire des trucs? Bon, de toute façon, le soir, je pense qu'on peut rien faire du tout, hein. Upgrade, item shop, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ouais, tu vois, c'est là. J'aimerais aller voir sur d'autres planètes aussi. Allez, au dodo. Demain est une autre journée. Revenons au jeu, bien sûr. Ça fait dodo. Bon, c'est vrai que c'est dommage qu'on puisse pas jeter les gens. Mais au moins, on peut leur taper dessus. Voilà, c'est quand même drôle. Tatsu, il aime bien taper sur les gens. T'en as pour combien de temps, toi? Un jour. One day. Bon, par contre, hey, le voleur, va falloir le chercher. Oui, monsieur, mais c'est... Il se rapproche de plus en plus, c'est marrant, ça. Il y a une qui sait qui dandine du cul. C'est la voleuse. Je te parie ce que tu veux, c'est la voleuse. Non.
J'adore ce bruit. J'adore ce bruit. Mesdames, bonjour. Waouh, ce tableau. Ah, tout à l'heure, j'ai eu la nuit étoilée de Van Gogh, mes versions un peu extraterrestres, très jolie. J'ai pas eu les moyens de l'acheter. Ok, 1009, madame. Qu'est-ce qu'il fout, lui? Non, 1008. Est-ce que je l'achète quand même? Il faudrait le réparer. Bon, allez, donne. J'ai envie. J'ai envie de l'acheter. Dommage. Ça va aller, monsieur? Il t'écœure. Madame, bonjour. Ok, donc ça, c'est la version bien de ce que j'ai. Si je l'ai toujours, si je l'ai pas. D'accord, j'ai combien de pognon? J'ai 9000. Faudrait vous l'acheter, genre... bah oui, mais normalement, 2000, hein. Ça serait l'idéal. Oh, c'est trop, madame, c'est trop. Je peux aller à 3000, mais faut pas déconner. 4000. Écoutez, je vais à 4000, mais vraiment, parce qu'il est incroyable et il est peu commun. Oh, c'est de la merde. 4002. Allez. Oh, fou. Bon, allez, allons-y. On va tâcher de le vendre, mais vraiment, vraiment cher. J'aimerais vraiment le réparer, les trois trucs qui sont là. J'aimerais vraiment les réparer. J'ai envie de vendre que des belles choses. Oh, un parapluie. Un parapluie galactique. Mais c'est le parapluie America. Astroguard Umbrella. C'est le seul parapluie qui non seulement vous garde au sec, mais également les astéroïdes. Ah bah d'accord, un petit parapluie astéroïde, satellite perdu occasionnellement. Bref. Et vous en voulez quand même 3000 balles, madame. Sous 1005, c'est même pas la peine. Va falloir partir avec. Oh putain, un peu comme... Oh putain, j'ai quand même acheté. Je l'ai quand même acheté. J'ai pas beaucoup de clients. Bon, bien que celui-là, il n'y a pas besoin. Bon, monsieur, dites-moi que vous achetez quelque chose. Dites-moi qu'avec votre tronche, vous essayez de trouver le bonheur dans... Vous essayez de me vendre cette merde. D'accord, mais je te le prends pour 20 balles. Allez, 200, parce que je suis gentil. Non, ça vous plaît pas? Bon, faut partir, alors. Bah, faut partir, hein. Ok, et bah tout le monde est parti. Vous avez dégueulassé mon parking. Mais je me demande si je peux... Niveau 6. Bon. J'ai glissé encore un jour. Fais dodo. Nouvelle planète des enchères est disponible. Et ben, j'ai pas assez de pognon. Putain, j'ai pas assez de pognon. Ah, quand tu dis qu'elle est dispo... Oui, mais elle est dispo aujourd'hui. Mais j'ai pas de pognon. Mais j'ai pas de pognon. Il m'excusait, le tudut, c'était mon micro qui a saturé. Et du coup, il s'est dit, bah non, mais je continue pas à t'écouter avec ça. Monsieur, c'est en cours de fabrication encore maintenant. Tiens, reprends ta merde. Et merde, j'aurais peut-être pas dû ouvrir. Peut-être ce soir, ce serait bien de pouvoir y aller. Alors, qui est le voleur? J'attends le voleur. Retourne dans Super Mario! Niveau dégueu. Ok, monsieur. Ah bah super, tu veux l'Umbrella Corporation? Putain, cette série que j'aimais beaucoup, et cette dernière saison qui est pas... ouf! Ok, écoute, on va faire 5000. Quand même, il est dans un état qui est bon. Bah super, ça a marché. 5000, ça a marché. Génial. Ah, c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à acheter, en fait. Faut pas hésiter à acheter, hein. Après, il faut aussi qu'il soit raisonnable. Ouais, non, ça dégage. Il est sale, ton truc. Barrez-vous, monsieur. OMFG. Je sais pas ce que ça veut dire, OMFG. Bon, madame. C'est... Oh, elle a trois boobs. En plus du gros cul. Elle a... Toi, tu te déplaces bizarrement. Elle a trois boobs.
énorme. Écoutez, moi je veux bien vous en proposer 150. Bah faut partir alors. De toute façon, si vous achetez rien, vous servez à rien. Allez, monsieur bonjour, 1005. Ah, je vous en propose 700. Pas 7000. Oh malheureux, pas 7000. Est-ce que je l'achète cette mode? Écoute. Je fais un. Oh putain. Excusez-moi. Non, faut regarder quand tu tapes débilus. Ouais, par contre, 1000, hein. Sinon, ça dégage. Allez, ça dégage. Il est sale ton truc. Madame, dites-moi que vous achetez quelque chose d'incroyable. Ah, mais dis-moi, toi, tu sais. Ah, ça fait 2000. Oh, bah, génial. Ah, génial. 8500. Voyons voir si on le vend à... Mon écran est en train de s'éteindre. Télécommande, merci. Si on le vend à 16 000. 17 000 et 16 000. Pas te tromper de zéro. 9 000. C'est déjà pas mal. 13 000. 10 000. 12 000. 11 000. Allez! On en a fait du bénéf aujourd'hui, chers amis, amis. Donc du coup, est-ce que c'est trop tard pour aller? Non, pas toi. Je confonds tout le temps. Est-ce que c'est trop tard pour aller? Voulez-vous? Oui. Allez, la navette. Yeah. Oh. Dis-moi que ça marche. Oui, ça marche. On pourrait aller vers d'autres planètes. Vers l'infini et au-delà. J'ai baissé les VFX, mais voilà. J'ai baissé les bruitages, mais bon. Voilà, le jeu est arrivé il n'y a pas longtemps. Suivez-moi, oui, je veux bien, donc c'est une autre planète. Il y a quoi? On sait pas, c'est rose. Ah, mais il y a peut-être quelque chose. Oh, ça, c'est peut-être la map, tu vois. Où il met tous les... Comment dire, les... les comme ça, là, les lockers, et ils doivent être juste en dessous, au-dessus ou ailleurs. Dans un autre... Bon, finalement, ça se ressemble beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une vieille dame. C'est des extraterrestres, vieille dame, ils ressemblent tous à ça. Ils aiment regarder Derek, et puis ils aiment rester toute la journée dans une chaise longue. C'est les extraterrestres, vieille dame. Ah bah, ça coûte plus cher. Écoute, on va attendre un petit peu. J'espère qu'il y a de plus beaux objets. On a 30 000, hein, 38 000. 4, 3, 2, 1, hop là, c'est pour Bibi. 7000 quand même, mais c'est pas rien. Hein. Yay. On achète déjà le maximum, mais si déjà le premier il est à 7000, j'ai peur quand même qu'on... 30 000, ça peut partir assez rapidement. Allons-y, 1000. Bon bah 1000, c'est pas grand-chose. Hein. Par Alex. Bon par contre, vous... Ah, vous êtes chiant. Vous pouvez vous barrer. 4, 3, 2, 1. Hop là, c'est pour moi. 1002, apparemment, c'est trop pour vous, les nullos. Oh, les nullos. Putain, la dame, elle a 3 TT, j'en reviens pas. Oh, je suis choqué. Bah, c'est déjà fini. Bah, enfin. Partez. Ils sont partis. Ok. Ok, n'oubliez pas d'aller dans les entrepôts. Oui, oui, j'ai compris, merci. Je vais pas t'attendre. Alors n'oubliez pas, je clique absolument partout pour les ouvrir. Ça marche et... Ouais, un œuf d'alien. Comme il nous a coûté 1002, je crois. Quelque chose comme ça. Un œuf d'alien. Dommage qu'il n'y en ait que deux, des lockers. Putain, mais comment? Des entrepôts, des... Putain, mais j'arrête pas... Encore un œuf d'alien, un marteau, rien du tout. Oh. Dernière chance pour faire 5000. Astro X. Vu l'état qui est mauvais, à mon avis, ça va être un banger. Ça va être un banger. Alors, je crois que c'est de l'autre côté. Hein. Je crois que c'est complètement de l'autre côté. Bon, bah, au moins, la couleur est jolie. Je peux passer? Non, pas du tout. Je vois la vie en rose. Enfin, bref. Allez, rentrons. Il n'y a pas de clodo sur celle-là? Je devrais peut-être retourner sur l'autre planète. Allez, cours, Forest. Excusez-moi.
petite musique funky. Alors, il va vouloir que je lui donne du fric. Qu'est-ce qu'il y ressemble ? Regarde ici, mon pote, et je te parle. Et mon pote, la dernière fois que je t'ai acheté un produit dans ton magasin, tu m'as trop facturé. J'ai besoin de 3600 balles. Tu me les donnes, je peux te donner un produit au hasard. Appuie sur eux pour accepter. Prochaine fois, pas de rancune. Et vas-y, cours. Et il m'a fait flipper par contre. Il a poussé un cri dégueulasse. Bon bah la prochaine fois, pas de rancune. Il a poussé un cri dégueulasse. Il m'a franchement fait flipper. Bon, je me disais bien que ça arriverait, mais j'ai voulu jouer le jeu, bien sûr. Parce que Tatsu, il est comme ça. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Tatsu, il est dans le don de soi. Oh, il est dans le don de soi. Et pourtant, je le savais. Voilà. Cette pauvre chose avait besoin d'argent. Et puis bon, peut-être que la prochaine fois, on sait pas. Ça c'est un sacré diesel le truc. Ok. T'as la lune qui se lève quoi. La lune qui se lève. Bon bah on a acheté, on a eu des trucs, on a eu des trucs qu'il faudrait réparer quand même. Alors l'œuf d'alien, certes, l'œuf d'alien lui il coûte, tu coûtes combien? Donc toi tu passerais de 1400 à 10 000. Toi tu passerais de 2300 à 25 000 quand même. 6 000. Il m'en faudrait d'autres, des comme ça. Bon, un squish, des comme ça, normalement j'en ai 5, je crois. Donc un squish et un tape machin truc bidule. Ça sert à rien d'en faire un stock des merdouilles parce que. Hein, parce que, voilà. J'ai le nez qui chatouille. Excusez-moi. 3000 balles quand même le tape. Hein. 3000 balles, j'espère qu'il va pas mettre 10 jours quand même. Bon. Ok, on a encore 23 000. Par contre, 23 000, est-ce que on pourrait upgrader quelque chose? Le pawn, oh, il est sympa là, le petit pawn. Est-ce qu'il faudrait. Pour chasse, oui, allez, ça c'est fait. Ça coûte une fortune quand même. Hein. Ça coûte 1 million hein, pour avoir le grand. Hein. Le robot qui fait 9 000. La caméra qui fait 15 000. Est-ce que je devrais pas prendre? Parce que bon, le voleur, il y en a un par jour. Mais par contre, je vais prendre le pawn. Ah, c'est trop bien. Et puis le robot. Alors, ils ont dit qu'ils vont rajouter d'autres trucs. Voilà. Moi, je voudrais quand même un pawn plus grand. Ça, c'est sûr. Donc, celui-là, il fait quand même 7000. Hein. Enfin, il fait 5600, quoi. Celui-là, il est réparé. Il coûte cher aussi. Ça, c'est un œuf d'alien qui est un peu dégueulasse. Mais bon, écoute, pose cette merde là-dessus. Ça ressemble pas à grand-chose, mais allons dormir. Magnifique. Et il est où, ce robot, alors? Il est sur le côté. Là, il est sur le côté. Et ça aussi, ça rapporte des sous. Oui. Est-ce que on a bien rechargé la vending machine? Alors, effacer. Hein? Effacer d'abord la baie de cargo pour obtenir nouveau le commande. La baie de cargo? Ah, attends. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. D'accord! Il m'a livré le. D'accord, il m'a livré les merdouilles tout de suite. Bon, 5000 balles. Allons faire un dodo. Ça prend 2 jours pour avoir ça. 25 000 balles. Putain, le million. Bah oui, mais c'est sûr, si tu commences à gagner 100 000 par jour, le million, il est faisable. Hein. Franchement, je veux le million. Le million. Le million. Le. Excusez-moi, ça fait rire que moi. C'est le 3 frères. Hein. Il a les 3 TV. Ok. Il a les 3 TV.
Truc de vieux, d'ailleurs, on s'en rend même plus compte, mais... Truc de vieux. Ah, il paraît qu'ils veulent faire un 3, un 3 frères 3. Le 2 était... Ah, j'ai envie de dire beaucoup trop moderne et beaucoup trop... Tiens, ne serait-ce pas notre ami le Clodo ? Salopard. Et j'adore, ça c'est un chat, c'est un extraterrestre chat. Il vient de prendre un... Dis donc, toi, quand c'est sale, tu nettoies, hein ? Ok. Bonjour ! Une fusée, lampe lave. D'accord, ah, j'aime bien. Ça, je la veux. Tu donnes pour... Ouais, 500. Allez, restons. On va essayer de la prendre pour 500. 600. Écoute. Allez, 590. Affaire conclue. Merci, monsieur. Ce bonjour, le géant vert. Tu as encore cette mode. J'en ai pas déjà vendu, je sais plus. Mais ils sont encore là. Ils sont encore là, je pense. 500 balles. Oui, mais bon. Petite musique un peu. Bon, ce truc-là, il est tas de mauvais. Allez, ça dégage. Oh, il faudrait que quelqu'un achète quand même là. Hein. Attends. Ah, super! Le robot, il se bouge. Génial. Ça, c'est un bon robot. Bon, le chat. Donc, il a ce machin, il me vendre. J'ai plus beaucoup de pognon, par contre. Ah, mais monsieur, je vais vous en donner 2005. Et on va aller à 3000. On va éviter, on va le perdre. Bon, allez, 3005. Il me le faut vraiment, ce truc-là? Bah, écoute, peu commun, il est incroyable. Donc, il devrait partir à bon prix. J'ai plus de pognon. Personne n'est venu acheter. Catastrophe. Disons, en fait, tu t'occupes aussi de l'extérieur? Non? Ah oui, donc on a le pawn qui est là. Et on les voit décoller. Et... Là, il y a la lune. Et là, il y a la lune. Est-ce que je peux aller faire la bagarre? Oui! L'infini. J'aime bien voir mes mains. D'ailleurs, je me demande, je suis quoi comme... comme bestiaux? Recharge. Wow, j'ai failli l'avoir dans la tête, celui-là. Est-ce que je pourrais avoir une meilleure arme un jour? Alors, c'est là que j'ai eu plein de... Oh, ça, c'est bien, ça. Ça coûte des sous. Oh, ça, c'est des sous, c'est encore mieux. Un petit peu de pognon. 1000 balles. 1000 balles, ça fait plaisir. Écoute. Il faut pas que je sois trop près, là. Ça, j'ai pris. Qu'est-ce que c'est? C'est une safe key. Ok. Oui, alors ça, j'aurais peut-être pas dû le prendre, mais... Et ça, c'est bien, ça. Non, mais le prends pas, t'es déjà sans, t'es con. Putain, je prends par réflexe. Attention, il y a toujours un copain à lui. Elle était morte, saloperie. Bon, bah voilà, ne serait-ce que cette petite feature hein, où tu fais la bagarre contre des mobs, et bah voilà, ça fait plaisir. Voilà, moi, elle aime bien. Putain, par contre, pourquoi j'ai plus de pognon? Ah, bah, j'ai dépensé des sous. Normalement, il y avait une autre salle à voir. On aurait peut-être pu avoir des squishes. Voilà, on aurait peut-être. Moi, c'est le matin, je crois qu'on peut ouvrir. Hein. J'ai pas dormi. Est-ce qu'il est prêt? Il est pas prêt. Le casque alien n'est pas prêt. D'ailleurs, j'ai pas regardé l'histoire de ce truc-là. Allez, on ouvre. Est-ce que je peux vendre quelque chose de cher là-dedans? Allez, on va faire ça, oui. Bon, j'ai plein de choses à vendre. Je manque juste de plateau. Il faudrait agrandir le... Bon, qui c'est le voleur? Oh, il est charmant. Des cheveux, c'est la voleuse. Vilaine voleuse charmante. Elle a volé mon cœur.
Ça arrive de temps en temps. Putain, mais il est nul votre éponge. Franchement, j'en veux même pas. Alors, ce qui serait bien, c'est un arbre de talent quand même, histoire de faire progresser les skills. Oh, écoute, franchement, je m'en calisse. Dégage. Dégage. Monsieur, bonjour. Oh, encore. Oh, putain, écoute. 150. Oh. Allez. Putain, mais on a plein de clients là. Attends, mais on a vraiment plein de clients, c'est trop bien. Putain, j'espère qu'il n'y a pas d'autres voleurs. Bon, mais tu m'emmerdes avec tes trucs pas chers là. Dégage. Bon, apparemment ils sont. Bon, ok, ça marche. Ça marche. La petite Monster Girl, elle est là. Alors, madame, on est intéressé par ce truc, d'accord. Donc, ça me. Oh, ça vaut 9000. Je suis un monstre. 9000 pour vous faire infecter. Yeah! On a gagné 2000. Bon, après, c'était dans un carton, hein, donc on a eu autre chose avec. Monsieur, bonjour, il a l'air tellement en train. Oh, putain. Oh non, mais arrêtez de me péter les couilles, dégage. Allez, va avec ton Rubik's Cube, je sais même pas si j'ai vendu les autres. Bien, t'as vu, t'as du boulot. T'as du boulot, c'est bien, c'est un bon. Ah, super, bah, il sort pour ramasser la merde. Parfait. Bon, on a 9000. Oh putain, il fait flipper lui. Putain, tu fais flipper ta maman, toi. Qu'est-ce que tu veux? Heureusement, c'est un client. Il veut acheter quelque chose. Mais écoute, pour toi, c'est 10 000. Vu que t'as un beau sourire, c'est 10 000. Ah, il est pas con. On va mettre 8. 8 000, ça passe. Je veux pas rester dans le noir avec lui. 16 000. On a fait 16 000 aujourd'hui. Eh ben, écoute, c'est très bien. C'est pas mal du tout. As-tu fini? Pas encore. Est-ce qu'on se couche? On se couche. Est-ce qu'on a quelque chose à faire? Upgrade, storage. Non, pas aujourd'hui. Au dodo. Au dodo. Putain, le lit a l'air confort quand même. Ah bah j'ai pété. Niveau 7, réparation terminée. Yeah. Putain, par contre, imagine je me le fais piquer. Oh, imagine je me le fais piquer. Pas me le faire piquer. Pas comme la dernière fois. Ce truc là aussi, ça vaut cher, hein. Par contre, alors est-ce que je peux lancer la réparation de un autre œuf alien et il manque de la tape. Oh là là. J'ai de tout mais il me manque de la tape. Et vite, vite, vite. Attention aux voleurs. Qui c'est le vilain? Ah, les trois yeux. Eh, vous allez avec la dame qui a les trois boobs? Qui c'est le voleur? Pars-toi! Pars-toi, Flurry! Ok, ça va vite fait. Ok, dites-moi que vous achetez quelque chose. Ça, c'est un achat. Bon, écoutez, on va faire 3000, 4000. Pas du tout. Il a pas apprécié que je veuille vraiment vendre. Putain, la fin, tu fais flipper. En plus, on dirait qu'il a l'œil de Sauron, là. Richard, il s'appelle le mec. Vous voulez acheter ça? Bon, estimation 1008. Donc, on va dire 2005. Yeah, super. Non, bon, ça, et puis, il a le Steel Gangster, c'est génial. Putain, il s'approche du casque. Il s'approche du casque. What the fuck? 500 balles, je t'en offre 200. 300. Putain, mais elle fait flipper, elle. Putain, mais qu'est-ce que vous m'emmerdez avec vos Rubik's Cube, là? J'en veux pas ta merde, même s'il est beau. Ouais, mais elle fait flipper, hein. Elle a un côté fascinant. On dirait une méduse, mais venimeuse en plus. C'est génial. J'adore le style, quoi. Ok, et puis en plus, c'est une bonne cliente. Attention, on va tâcher de faire bien. Ouais, c'est trop, ça passe. Oui, ça passe. Et on a fait 10 000. On a fait 10 000 là-dessus. Oui, mais j'ai, ça m'a écouté. Ça m'a rien coûté. Allez. C'est bon. Madame, vous achetez un truc, hein?
Écoute, mets cette merde. Allez. L'autre est encore en réparation. Madame, vous voulez me vendre un cristal? 50 balles. Bon bah faut partir alors, vite. Oh là là, décidément la batte de baseball. La batte de baseball, là. Bon monsieur, monsieur Richard, il fait flipper avec cette démarche. Dirait un Arsène Lupin, mais moche. Très très... Bon bref. Non, vraiment, j'ai même pas envie de discuter. Dégage. Parce qu'en plus, j'ai plus de place sur mes étagères. Je vais pas les pourrir avec des objets qui coûtent rien du tout. C'est débile. Oh, c'est débile. Une belle soirée. Une belle soirée. Revenons au jeu, bien sûr. Ouais. Le robot a du boulot. Oui, mais ça, mais t'es pas obligé de me bully, c'est moi le patron. Enfin. Que fais-je? Eh, on a 27 000 quand même, hein. Est-ce que... Il y a, normalement, il me le dit quand il y a un storage. J'aimerais bien avoir une autre planète. Bon, demain, on a ça à vendre. Et ce serait bien de vendre le casque. Pas oublier que le casque fait quand même... on pourrait le vendre 30 000, hein. 30 000 facile, hein. 35 000 si on tire un peu dessus. Mais à nous la gloire, hein. À nous la gloire et le pognon. Encore un jour, demain. Ok. Donc, est-ce qu'on a quelque chose à faire aujourd'hui? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Juste une belle journée de boulot. Allez, c'est parti. Pas oublier de taper le voleur. Le voleur. Tapons le voleur. Ah, ils arrivent d'hyper-espace. Ils arrivent d'hyper-espace. Ou je parie que le voleur, c'est le chat. Non, le Toug, non. Le type en vert, il faut que ce soit le type en vert. Salopard. Par contre, il n'y a que deux clients aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, bonjour, c'est de la merde, ça dégage. Monsieur, bonjour, vous voulez cette magnifique pièce? Estimée à 1300 balles. Si je vous la fais à 2000... Ah, il y a la dame au 3 nibar qui vient. 1005. Coûte 1008. 1007. 1008. Allez! Et au revoir, chaton! J'adore le style. Donc, il y a deux dames. Gros nez, gros nibar. Hein. Allez, bonne cliente en plus. Hein. Écoute, 8000. Oh, le casque est encore là. Putain, j'ai eu peur. Tout va bien. Tout va bien. Franchement, il me faut le grid du... Il me faut le grid du machin. Ça me fait flipper. Monsieur, il chie des ordures. Écoutez, on va dire 1500, il est à vous. Allez, 1000. Ah, 1000. Ah, 1003. Si je lâche un peu... Allez, ça dégage. On a encore 22 000 et on a le truc anti-intrusion. J'espère qu'il va marcher. Ah, là on parle. Là on parle. Ok, 28 000. Tâchons de ne pas nous tromper. On va le mettre à... 38 000. Oh putain, ça a marché. On a gagné 31 000. On a gagné 31 000. Qu'est-ce qu'il y a? Bro? Ça vous parle? Bon, c'était la belle pièce quand même, hein. Mauvais, ouais. Bon, écoute, estimation, pays, ouais. On va dire 1000 balles. Ça parle 1000 balles? Ah, 800. J'aime bien parce que si tu fais pas un effort pour aller vers eux, globalement, c'est pas mal fait, vraiment, ces enchères. Tu sais que c'est... Ouais, tu vois, lui, il reste bloqué. Oh, écoute. 600. Allez, tiens, prends ta merde. Ça me débarrasse. Madame, vous avez l'air ostensiblement riche. Laissez-moi vérifier. Et elle achète ce truc. 95 estimation. Off 110. Ouais, ça dégage. Ah oui, ils sont 150. 115. Ouais, 120. Négocie pour tout. Ouais, on prend un petit jeu nul là. On négocie. Bon! On a fait 34 000. On a fait 34 000. On s'est super bien démerdé. Super bien démerdé. J'ai plus grand chose à vendre.
part ces trucs-là, j'aurais voulu les réparer. Oh là là, il me faudrait deux machines. Ah, allez au dodo. Je peux pas aller sur une autre planète, là? C'est pas ça, c'est vers Botana. Bon, bah tant pis. Note à moi-même, même si on peut aller sur une autre planète, il faut d'abord travailler, et ensuite, niveau 8, niveau supérieur. Ok, allons-y. On va voir si on peut acheter des trucs. Et voyons voir aussi comment ça joue. On n'a plus grand-chose à voler, globalement. Donc on va voir si ça sonne, s'il capture le voleur, s'il tape. Il fait quoi, exactement? Ok, il y a le poisson. J'adore la tête de Puesky, là. Il a volé. C'est très en retard, hein. Très très en retard, hein. Très 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 en retard, hein. Vraiment, ça marche pas bien du tout. Oh, la vending machine, il va falloir. Bon, et bah, tu sais quoi, j'ai besoin. Oh, 80, c'est nul. Écoute, je t'en offre 20 balles. 30. 50. 55. Ah, si je pouvais le faire réparer, plus rien à vendre. Bah, j'ai plus rien à vendre. Et vendre aussi ce truc là. 2000. Ça fait quand même 2000, mais je suis sûr si tu le répares. Là, ça fait 600. Ouais, mais je suis sûr si tu le répares. Oh, il y a plein de gens partout. 3 et 300. Ouais. Coûte 100. Ouais. Allez, 200. Oh, madame, enfin. Allez, ça dégage. 300 balles. On a acheté un item. Un item, mais il faut avoir de quoi vendre. Parce que quand même, faut faire tourner la boutique. Où je suis? Je suis perdu. Je veux être perdu. Madame, bonjour. Vous avez ce cristal moche à me vendre? Allez, je vous prends pour 200. 210, 200, 205, 200. Ça dégage. Pour 5 balles, mamie. Mamie, elle va me faire la gueule pour 5 balles. Bravo, hein. Putain, les vieux, bravo, hein. Oui, monsieur, c'est du caca. Ça lui donne un air, voilà. C'est très artistique. C'est un artiste scatophile qui a fait ça. C'est une de ses plus belles œuvres. Allez, ouais, normalement 300. Ouais, non, mais faut arrêter, mec. Dude! Dude! Allez, 400. Des lunettes. La chance, j'ai plus rien à vendre. Bon, monsieur, dame, vous allez m'acheter un truc, quand même. Putain, j'ai 58 000! Énorme, j'ai 58 000. D'accord, donc il veut ce truc-là. Estimation, 6 000. Estimation, 6 000. S'il passe pour 10 000, je suis très content, mais je suis pas sûr. Ça passe pour 10 000, mec. 10 000 boules. 10 000 boules. Est-ce qu'on peut aller acheter des trucs aujourd'hui? Ah, on peut rien acheter aujourd'hui. Madame, bonjour. 400, vous m'en offrez 400. Écoutez, moi, je vous le laisse pour 500. Il vient d'arriver en plus. 500. Oh bon, on s'est fâché. Et c'est fâcheux. C'est bien fâcheux. On a fait 9000 balles aujourd'hui. Putain, on est à 68000 quoi. On est à 60. Ah bah ça, j'aurais pu le mettre en place. Tiens. Ouais, c'est un peu discret, c'est en bas, ça devrait pas, mais. On va mettre ce qui coûte cher là-dedans. Et je vais peut-être, je sais plus ce que je devais prendre. Attends, c'était ce truc-là, je crois. Mince, j'ai vendu l'autre. Oui, j'ai vendu l'autre. Il était sale, mais j'ai quand même vendu. Tu peux me réparer ça, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut 3. Gobelefluc. Il va faire 6900. Ouais. Ça dépend combien ça coûte un Gobelefluc, là. Un motherfuck. Un Gobelefluc. Qu'est-ce que c'est déjà, c'est ce truc-là? Motherboard. Bon, c'est pas si cher que ça. Je crois que j'ai les autres. Je veux partir. Oh, oui, sélectionner la planète. Oui, mais il n'y a pas... Je vais aller dépenser mon fric. Bon,
Pour l'instant, on n'est pas si mal, chers amis. Quand même, on a fait du pognon. On a fait du pognon, on est franchement bien. J'aimerais bien finir sur un bel achat. Voilà, j'aimerais bien finir sur quelque chose de beau. Voilà. Bon, c'est vrai que la première vidéo était déjà très très longue. 1h10, fallait pas. Mais il y avait toujours autre chose à faire. Ah bah si, 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 complètement. Est-ce qu'on retourne là-bas? Écoute, on ira ce soir. Je crois qu'il faut quand même faire une journée de boulot. Trop tard pour ouvrir le magasin. Essayez demain. Bon bah écoute, si tu veux. Tu veux me confier du boulot? Qu'est-ce que c'est? Bah normalement, ça vaut pas tout à fait le coup. Hein. Franchement, j'ai pas envie. Hein. C'est 27 000. Réparer qui est parfait pour toi. Un travail réparation qui est parfait pour toi. 27 300. Oh, c'est une console. Console de luxe. Mais voir si le truc, il est réparé. C'est encore un jour. Hein. Un jour. Bon. On verra demain ce que ça coûte. Je pense que ça va me coûter aussi très cher de la réparer. Je pense que ça va me coûter excessivement cher pour la réparer. J'adore le truc qui tremblote là comme ça. Et hey, est-ce que ça foutrait pas une flip de dingue de moi? Ouais, bon, évidemment, ça va faire du bruit. Je vous entends plus du tout. Loyer 2000 balles quand même, le loyer. Hein. Waouh, waouh, waouh! Je vais bégère. Je vais dégueuler dans la vraie vie. Dégueule. Allons-y, suivez-moi, j'arrive. Et hey, j'espère qu'il y a plus que deux lockers, hein. Bonjour. Je vous regarde pas, je vous respecte pas. Bon bah, je vous respecte tellement pas. Je sais même pas calculer. Allez, poussez-vous. Ça, c'est madame qui dandine du fiacos. Qu'est-ce que c'est? Bon bah, il y a quelques... Ah, celui-là, il a une tranche... Ça, c'est une tranche, hein. Une tronche, pardon. Une tronche en tranche. Vous avez compris? Oula, dis donc, Bide. Ah mais parce qu'il est en anglais le truc. Je pense qu'il est en franglais ou quelque chose comme ça. Autre chose. Ah ici, ici. Ah ici aussi. Offre actuelle. Par toi. Bip. Ok. Et 4, 3, 2, 1. J'ai même pas regardé ce que m'a coûté l'autre. Oh t'es chiant. Allez avance. 7007. Ah, mais je me sens plus. J'ai du pognon dans le jeu, je me sens plus, vraiment. Oh, regarde, il a un crochet à la place de la main. Il a une queue. Trop bien. Ok, allez, encore un. 9000, c'est intéressant. 11000, 13000. Eh ben, ils le veulent, celui-là. 15000. Oula, 17000. Oula, il y a intérêt à qu'il soit beau, celui-là. 2, 1. Hop là, je le prends. 20000. Énorme. Énorme. Et j'espère qu'il y a quelque chose de dingue dedans. Hein. Et j'espère que vous me laissez pas tomber. Hein. Est-ce que vous vous barrez? Ou est-ce que vous allez dans un autre truc? N'oubliez pas d'aller à l'entrepôt. Ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que c'est fini. Est-ce qu'on fait celui-là d'abord? Ouais, non, vous avez tous envie de savoir ce qu'il y a là-dedans. Quand même, on a fait 20 000. Il y a des chaussures. 400, c'est de la merde. 9000, ouais. Et il y a un vase à 10 000. Bon bah globalement, on a nos 20 000. On a nos 20 000 en marchandises. Et puis comme je les vends toujours plus cher, c'est bien. C'est très très bien. Voilà. C'est 7000 par-ci, 7000 par-là. Et un casque. Attends, mais je l'ai fait réparer. Il m'a fait 35 000, hein. Je l'ai fait réparer, il m'a fait 35 000. Très très bien. Ouais, il est quand même... Ah, encore un petit casque. Et puis, waouh, un crâne. Magnifique. Il est beau. Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi, hein. C'est pas moi qui bouge. Allez. Ok. Y a pas notre ami le Clodo? Il me semble que j'en avais acheté un autre, non?
Oui, il est là. Il est là. Un dernier quand même, 7000. Pas déconner, hein. Bon bah c'est super, en tout cas on fait du chiffre. Putain mais encore un casque. Putain mais si je les répare, ça vaut une fortune. Putain, quand j'ai vu le million sur le truc, je me suis dit mais t'es fou, je fais ça comment? Mais en fait c'est tout à fait faisable. Tiens. Eh, tu te souviens de moi? J'ai 20 000. Non, 30 000, pardon, c'est au-dessus. De 2600. C'est la prochaine fois sans rancune. Bon, bah, je le rattraperai pas. Hein. Je le rattrape. Oh, écoute, comme d'habitude. Je sais pas ce qui se passe, s'il y a vraiment une feature avec, ou si juste je suis un débile à chaque fois qu'il remet une pièce dans la machine. C'est... Vous savez, c'est comme le loto. C'est le... Ah, comment il avait dit déjà? C'est l'impôt sur la stupidité. Bah, je tiens à payer cet impôt. Rubis sur ongle. Je tiens impérativement à payer. Tant que j'ai du pognon. Ok, bah écoutez, les gens, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je pense qu'on a vraiment, vraiment de quoi faire, mais bien, quoi. Hein. Tout vaut des sous, absolument tout. Ça, il faut le réparer. Alors ça, c'est pas encore fait, encore une journée. Demain, ce sera sans doute fait. Par contre, je vais aller me coucher, j'espère que ça sauvegarde. Niveau 8, réparation terminée. Non, mais qu'est-ce que je fais? Ok, et du coup, il faut que je répare son truc, là. Non, ça coûte pas si cher, en fait, hein. Tape. En fait, ça coûte vraiment pas cher du tout. 10 000, il m'avait dit 29 000. Donc, il me fallait un motorboard et une tape, hein. Non. Item. Tape et motorboard, ça coûte pas cher pour réparer. Il m'avait promis combien? 29 000, 23 000? Il en faut deux. Oh, gros nul. Gros nul. T'es un gros nul. Est-ce que... Non, ça, c'est finito. Item. Mince, qu'est-ce qu'il faut de deux? Non, c'est les motorboards. Il en fallait deux. Voilà, c'est ça, hein. J'adore. Ne serait-ce que la petite perçue qui arrive, c'est trop bien. Bon. Bah alors? Ah, j'ai plus de squish. J'en avais plein. Oh, putain. Bon, chers amis, je vais m'arrêter là. De toute façon, je vous dis au revoir. Voilà. Je fais de la merde. Je fais globalement de la merde. J'ai plus de squish. J'en avais plein, mais voilà, j'en ai plus. Mais voilà. Bah, et gros pouce bleu, gros abonnement, gros bisous, bien sûr. Et puis, bah, à bientôt. Je vais juste m'assurer de pouvoir sauvegarder. Je vais faire une autre nuit. Et puis voilà, quoi. Allez, tchou tchou bye bye, des bisous, à la prochaine.